les acteurs dans un moment sans doute clé pour le secteur, puisque c'est vrai que nous avons eu beaucoup de temps d'échange, de concertation cette année, des rapports foison sur projet de loi autonomie, projet de loi vieillissement, mais on est sans doute dans un contexte de crise qui oblige les acteurs à réformer leurs pratiques, à avancer, à inventer de nouvelles solutions. Et ce genre de manifestation, c'est aussi l'occasion ensemble de produire, travers de débats, d'échanges, de tables rondes, d'inventer, de faire avancer les choses et de, avec l'intelligence collective, de progresser au service d'une meilleure prise en charge des personnes âgées en France.